Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon premier point lecture pour le mois de septembre. En fait, je vais vous en filmer deux à la suite parce que j'ai pas mal lu au début du mois de septembre. J'ai profité du fait d'être encore en vacances. Seulement voilà, les vacances c'est terminé puisqu'aujourd'hui je vous filme. On est lundi 18 et je reprends cet après-midi les cours. Donc voilà. Du coup, je vais vous filmer tout d'abord donc mon premier point lecture dans lequel je vais vous parler de 5 romans. Je vous parlerai donc tout d'abord de La part des flammes de Gaëlle Nohant. Ensuite, je vous parlerai de Leiden, le secret des lits de Julie Müller-Volb, qui est donc le lauréat du prix de l'imaginaire Nouvelle Plume de cette année. Ensuite, je vous parlerai de la duologie Chien du Homme et Mordre le bouclier de Justine Niogret. Et enfin, je terminerai avec Les ailes d'émeraude, le tome 3 de la série d'Alexandre de Lys, à savoir L'île des secrets. Et du coup, je vais attaquer tout de suite avec La part des flammes de Gaëlle Nohant. C'est un livre que vous avez certainement déjà vu passer sur YouTube ou sur les blogs, puisque c'est un livre qui avait pas mal fait parler de lui, déjà à sa sortie en grand format et puis à nouveau à sa sortie en poche, d'autant plus qu'il avait été gagnant du prix du livre de poche l'année dernière, je crois. Du coup, c'est un livre qui se passe en 1897 à Paris. On va y suivre en fait trois femmes différentes qui sont toutes les trois issues plutôt de la bourgeoisie, voire de la noblesse parisienne. Et en fait, les trois vont se retrouver ensemble au bazar de la charité, qui était en fait une grande vente de charité qui était organisée et dans laquelle se rendait le tout Paris afin un peu de se faire bien voir, puisque voilà, c'était un événement de... Enfin, c'est une vente de charité, donc du coup, y aller, ça voulait dire qu'on était quelqu'un de bien, etc. Donc voilà, c'était les gens y allaient un petit peu pour se faire mousser, pour certains quand même. Donc voilà, nos trois femmes vont donc s'y rendre en tant que vendeuses et elles sont au même comptoir. Donc c'est là qu'elles vont se connaître, qu'elles vont apprendre à se connaître. Seulement en mai 1897 a eu lieu le terrible accident de l'incendie du bazar de la charité, qui est un événement réel, à savoir que bah, tout le bazar de la charité a pris feu et du coup a tué eh bien, pas mal de personnes de cette haute bourgeoisie parisienne, et en plus de ça a fait un nombre incalculable de victimes. Nos trois femmes vont donc se retrouver là-dedans et ça va vraiment, on va dire, lier leur destin entre elles, ça va faire nouer des liens très forts, et ce qui va faire qu'après elles vont rester très soudées et elles vont beaucoup faire les unes pour les autres après cet incendie. Donc comme je le disais, c'est un incendie qui a réellement eu lieu, et donc on voit vraiment que Gaëlle Nohant s'est beaucoup renseignée aussi bien sur l'incendie que sur l'époque afin de nous proposer un portrait assez juste de cette époque. En sachant donc que la duchesse d'Alençon est un personnage qui a réellement existé, mais qu'en revanche les deux autres femmes qu'on suit ont elles été créées par Gaëlle Nohant pour le bien du livre. Voilà, mais ce sont des personnages que j'ai beaucoup aimés, je les ai trouvées très fortes, très inspirantes, et puis en même temps je trouvais que c'était un roman très enrichissant puisqu'on apprend beaucoup de choses en le lisant. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très immersif. En plus de ça, on a vraiment envie de connaître la suite. Donc c'est un roman qui fait quand même 530 pages à peu près, quasiment 550 pages, et on le lit facilement parce que voilà, on est vraiment entraîné dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le recommande et je vous recommande la découverte. Donc voilà, pour ma part, je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Leiden, le premier tome, Le secret des lits de Julie Müller-Volb. Alors ce livre-ci, c'est donc le nouveau gagnant du prix de l'imaginaire Françoisien Nouvelle Plume. J'avais lu les trois précédents gagnants, que j'avais tous les trois beaucoup appréciés. J'avais trouvé à chaque fois qu'ils avaient vraiment su dénicher des talents qui proposaient des choses nouvelles, qui étaient très bien écrits et qui étaient finalement très professionnels déjà, alors que ce sont juste des romans qui ont été sortis des tiroirs parfois, et des premiers romans très souvent. Pour celui-ci, donc, il s'agit également d'un premier roman, du premier texte écrit par l'auteur. Malheureusement, je dois dire que celui-ci ne l'a pas vraiment fait avec moi, contrairement aux autres années. À savoir qu'en fait, il nous a été présenté comme étant de la romantique fantasy, donc un texte de fantasy
dans lequel la romance est assez présente, et en sachant donc que c'est un premier tome d'une trilogie, et donc il fait à peu près 400 pages. Le problème pour moi, c'est qu'en fait, enfin, il y a eu plusieurs problèmes pour moi, mais je pense qu'en fait le problème général, c'est que c'est un livre qui ne m'a pas convenu, qui me correspondait pas, et qui, je pense, trouvera un public qui l'appréciera. J'ai vu pas mal de bons avis dessus, mais c'est vrai que pour ma part, voilà, ça l'a pas vraiment fait. J'ai trouvé quelques problèmes dedans, à savoir, tout d'abord, j'ai trouvé que la romance était quand même très présente. Alors certes, c'est de la romantique fantasy, mais j'ai trouvé la romance très présente et peut-être parfois un petit peu simple. De manière générale, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément assez creusés. Et puis le passage dans le monde imaginaire, puisque ça commence dans notre monde à nous, le passage dans le monde imaginaire ne se fait qu'au bout de 200 pages environ, donc à la moitié du texte, et j'ai trouvé ça un petit peu lent. Et en plus de ça, même une fois passé dans le monde imaginaire, j'ai trouvé qu'on n'en apprenait pas grand chose. On apprend en gros les différentes espèces qui y vivent, mais qui ne sont pas très originales. On nous dit qu'il y a un méchant qui est très méchant, et qui est très méchant parce qu'il est très méchant. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu léger de ce côté-là, et j'ai trouvé que c'était un peu simple. Et par ailleurs, et c'est pour moi ce qui a, je pense, le plus péché, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très grosses ficelles dans le livre, à savoir qu'en fait, des fois, il y avait des petits éléments qui étaient mentionnés, et de par ces petits éléments, vu que moi c'est un type de livre que j'ai déjà pas mal lu, et bah déjà je me disais, ah, il va peut-être se passer ça, et puis ensuite on avait une grosse ficelle, et donc là j'étais en mode, oui, bon bah donc il va se passer ça, et seulement ça prenait encore parfois 50 pages à arriver, et donc, et bah au bout d'un moment, je me disais, bon, voilà, donc le problème c'est que du coup j'ai vu venir la plupart des éléments qui se sont passés, et donc voilà, ça m'a pas mal dérangé de ce côté-là. Malgré tout, c'est un livre qui a su plaire à un certain public, un public peut-être un peu plus jeune que moi, un public qui a peut-être aussi moins lu de fantasy et qui du coup en connaît moins les codes, et un public qui aime plutôt bien la romance et peut-être les livres un petit peu plus adolescents. Donc voilà. Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre Mila, qui est une jeune adolescente qui vit seule avec sa grande sœur, Ellie. Et en fait, Mila commence à voir qu'il y a quelque chose, enfin, qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui commencent à se passer. On va dire qu'en gros, il y a un mystérieux pompier qui arrive dans sa vie, il y a plein d'incendies pyromanes qui se passent. Et puis, sa sœur commence à être très étrange. Mila commence à se poser des questions autour de tout ça. Pour ma part, ça l'a pas vraiment fait, et j'ai mis la note de 12 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu la duologie de Justine Nogret, à savoir Chien du Homme et Mordre le Bouclier. Donc c'est publié chez J'ai lu. C'est un livre qui avait remporté le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix des Imaginales en 2010. Donc c'est ma grand-mère en fait qui me les a recommandés. Il s'agit d'une duologie de fantasy qui comporte deux tomes assez courts, ils font chacun 200 pages à peu près. On y suit en fait une guerrière qui est assez réputée et qui s'appelle Chien. Et en fait Chien a une quête dans la vie, maintenant qu'elle s'est accomplie en tant que mercenaire, etc. Elle a un but dans la vie, à savoir quel est son vrai nom. Et du coup, elle part en quête de ce nom, et c'est vraiment, voilà, c'est son obsession, elle veut savoir quel est son vrai nom. L'histoire. Le problème qu'il y a eu avec moi, c'est que c'est une duologie qui est très bien écrite, c'est une écriture qui est très travaillée, c'est un texte qui est assez sombre. Seulement j'ai trouvé que l'écriture était assez distante, et vu que ça va avec le fait qu'il ne se passe pas forcément grand chose dans l'histoire, et que j'ai pas spécialement aimé le personnage de Chien, en fait je me suis attachée un peu à certains personnages secondaires, mais on les voit très peu dans le premier tome et pas du tout dans le second. Du coup voilà, en fait le tout a fait que finalement je suis jamais vraiment rentrée dans l'histoire, je suis toujours restée un petit peu en marge, et tout du long je suis pas rentrée dedans. J'aurais pu m'arrêter aussi bien au milieu du premier qu'à 20 pages de la fin du second. J'aurais pas été spécialement gênée de devoir arrêter là ma lecture, parce que voilà, j'ai pas accroché, je me suis pas sentie impliquée dans ce qui leur arrivait. Et donc voilà, ça a été un peu une déception pour moi. Malgré tout, ce sont des romans vraiment de très bonne qualité, mais c'est juste que pour ma part, voilà, je suis restée complètement hermétique à tout ça.
Pour le second tome, c'est pareil, en fait, on a une nouvelle quête qui est une sorte de quête de vengeance à laquelle Chien se retrouve mêlé, mais à nouveau, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, on n'a pas spécialement de personnages très... Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y ait des personnages intéressants à suivre, donc voilà. Du coup, j'ai mis la note de 14 et de 13 sur 20 à ces deux tomes. Je sais qu'ils ont plu à pas mal de personnes. Si ce que je vous ai dit vous donne envie de vous lancer, je vous invite à vous lancer, mais c'est vrai que pour ma part, ça l'a pas fait. Et ensuite, donc, je vais terminer avec le tome 3 des Ailes d'Émeraude, donc Livre des secrets d'Alexiane de Lys, publié aux éditions Nouvelle Plume. Il s'agit donc du troisième et dernier tome de cette série, et Alexiane de Lys, avec le premier tome, était donc la première lauréate du fameux prix de l'imaginaire. J'avais beaucoup aimé son tome 1, le tome 2 un peu moins, parce que c'était vraiment un tome de transition, et j'ai été très contente de voir que dans ce troisième tome, on retrouvait vraiment la dynamique qui m'avait tellement plu du tome 1. En fait, au niveau de l'histoire, on va suivre Cassiopée, qui est une jeune fille qui a 18 ans et est mise à la porte de l'orphelinat dans lequel elle était. Vous lui dites « Voilà, maintenant t'as 18 ans, tu te démerdes !» Et donc Cassiopée se retrouve lâchée dans le grand bain. Assez rapidement, elle va être approchée par un mystérieux jeune homme qui va en fait lui faire révéler qu'elle est une myrme. Donc en fait, elle va avoir des ailes qui vont pousser dans son dos, des ailes couleur émeraude. Et donc, elle va également se rendre compte qu'elle a certains pouvoirs liés au sens. Et du coup, voilà, on suit tout ça, sa découverte de ce monde-là qui est le sien, bien qu'elle n'ait pas grandi dedans. Et puis, enfin voilà, j'avais vraiment bien apprécié. C'était donc un roman de plutôt fantastique qui peut être lu par un public adolescent, mais aussi par un public un peu plus âgé. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé. Alexiane est une très jeune auteure, elle a à peu près mon âge. Et ça se ressent pas mal dans son livre, mais dans le bon sens du terme, à savoir que ce sont des romans qui sont très dynamiques, qui sont très rythmés, qui sont drôles, qui sont modernes, et voilà, pour ma part j'aime beaucoup. Donc ce troisième tome, vraiment j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le premier, à savoir que c'est très bien rythmé, comme je vous l'ai dit, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Et vraiment, ce sont des personnages très attachants. C'est vrai que là, on a passé quand même pas mal de pages à force avec eux. Et que, bah, un petit pincement au cœur à la fin de se dire que, bah voilà, ça y est, on a fait le tour des aventures de Cassiopée, Gabriel et leurs amis. Et ce sont des personnages que j'ai beaucoup aimé suivre. Les personnages secondaires sont très intéressants également, et puis les principaux aussi. On a des retournements de situation jusqu'au bout, on apprend toujours de nouvelles choses. Enfin bref, voilà. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous cherchez une série de fantastique un peu adolescente, mais pas forcément trop, je vous recommande de vous tourner vers ces livres-ci. Ils sont disponibles maintenant dans la grande distribution. Celui-ci peut-être pas encore, mais il devrait l'être d'ici la fin de l'année. Et sinon, donc ils sont disponibles chez France Loisirs. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié et je lirai avec grand plaisir les autres ouvrages d'Alexiane de Lys, puisqu'elle est plutôt productive et qu'elle travaille déjà sur pas mal d'autres projets différents, dont certains qui sont quasiment terminés. Donc voilà. Pour ma part, j'ai donc beaucoup apprécié cette série et je vous la recommande. J'ai mis la note de 17 sur 20 à ce dernier tome. Sur ce, j'en ai fini avec ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Mais avant de me quitter, si vous avez un avis sur l'un des livres que je vous ai présentés ou s'il y en a un qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Sur ce, j'en ai donc fini. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut !